Eh bien salut les amis, c'est Carmando et on se retrouve aujourd'hui pour ce 7ème épisode de Mario Luigi Voyage au centre de Bowser. J'espère que vous allez tous très bien. N'oubliez pas de bombarder de pouces bleus cette vidéo et on continue notre aventure avec Bowser. Quand même, comme je vous l'ai dit il y a quelques épisodes, c'est vraiment l'aventure de Bowser, hein. Ils auraient peut-être même pas dû appeler le jeu Mario Luigi. Non mais en gros, il me semble que Bowser, on doit le contrôler genre limite plus que les frères Mario dans le jeu, hein. Genre c'est vraiment le perso principal du jeu, même si c'est le méchant quand même, enfin c'est de l'un, enfin... Si, c'est quand même le héros, hein, si. Et effectivement, après c'est vrai qu'on va peut-être contrôler un petit peu plus Mario Luigi dans les épisodes qui vont venir, mais au maximum ce sera du 50-50, mais je crois qu'en vrai, c'est quand même plus Bowser que Mario Luigi qu'on contrôle, de tout le jeu. Enfin en même temps ça se voit jusqu'à maintenant, j'ai fait des épisodes complets sans toucher à Mario Luigi. Mais oui, c'était la première apparition. Mascou, Parapouné, et j'oublie toujours le dernier. Je sais plus comment il s'appelle. Mascou, c'est le petit Mascasse. Parapouné, c'est le Paratroopa. Et comment il s'appelle? Général Goomba, c'est ça? Il s'appelle pas Général Goomba, si, non? Je sais plus. J'en peux plus. J'ai mal au dos. Du nerf, soldat. Pour l'instant, observons les alentours. Je me demande où sont tous les autres. Cette bande de brutes les a sûrement fait souffrir. Les pauvres. On est les seuls à avoir réussi à s'enfuir. Sûrement, oui, c'est vraiment horrible. Profitez de l'absence de Maître Bowser pour nous attaquer. Ah, si seulement Maître Bowser avait été là. Mais il est là. Maître Bowser, je me demande où il est en ce moment. Mais vous autres. Ah bah ils vont être surpris, tiens. Maître Bowser. Ils voient... Ce sont trois groupies qui voient leur idole, là. Je vois. Ils ont pris mon château, c'est ça? Ce tordu de Krakowitz bluffait pas, finalement. Oui, en fait, deux types bizarres nous ont attaqués tout à coup. Et ils ont envahi le château en un clin d'œil. On a pensé que ça pourrait être utile, alors on s'est enfui avec ce canon. Quoi? Ils s'enfuient avec le canon, comment ils ont fait leur coup? Il est énorme le canon! Rassurez-vous, je vais vite récupérer mon château! Chef, oui chef, c'est rassurant d'entendre ça! Et alors, vous comptez faire quoi avec ce canon au juste? Eh bien, nous voulons pointer ce canon à Bilbourin vers le château et tirer! Ces vermines qui ont pris le château vont le regretter! Oh, pas mal comme idée de la part de ce sbire aussi inutile! Je vous donne mon feu vert. Tirez un bilbourin, feu! Et il est où le bilbourin? Eh bien, en fait, c'est-à-dire... Ce n'est pas qu'on ne peut pas tirer de bilbourin. On est, comme qui dirait, carrément à court de munitions. C'est bête, hein? Ils ont volé le canon et pas les bilbourins. C'est plutôt qu'en fait, on a un peu oublié d'emmener des bilbourins. Oh là là. Bande de crétins! Si vous n'avez pas de bilbourin, cherchez-en un! On en a tiré tellement sur l'autre moustachu, il doit bien en rester un ou deux dans cette forêt! Mais bien sûr, nous partons en chercher un de ce pas! Au fait, par où on peut trouver un bilbourin, chef? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est justement pour ça que je vous demande d'en chercher! On y va! Les pauvres! Quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec Mario? Ah non, ok. C'est Étoile d'Or qui va parler. Dis, toi aussi tu devrais peut-être chercher. Quoi? Je ne suis pas sûr qu'on puisse compter sur ces rigolos. Tout le monde... Personne les aime, les trois, là. Si, moi je les kiffe, ils sont trop mignons. T'es vraiment agaçante. Je comptais bien y aller. C'est ça. J'en suis pas tout à fait sûr. Alors, là, y a rien, comme d'habitude. Mais il y a même pas de pièces dans ces trucs-là. Ça sert vraiment à rien de les brûler, hein. Puis en plus, ils repoussent vite, hein, comme ça, il est dit sur le panneau. Attendez, il y a un truc, là. À droite. Ah, ouais. Très bien. Un petit pois. Ou un haricot, je sais pas comment ils appellent ça, maintenant, dans les jeux Mario Luigi. Qu'est-ce que... Non, là, on peut pas passer. Ah oui, alors, combien je gagne de pièces, maintenant? J'en ai pas vraiment gagné plus, il m'en a donné 10. Peut-être que d'habitude il en donnait que 5, hein, je sais pas. Non! J'avais l'initiative, j'ai donné mon point! Vous avez pas vu? En plus, Bowser il a commencé à monter son point comme ça, mais non, bah ça a pas marché. Bon, dans tous les cas, j'ai tellement XP que maintenant les ennemis, j'ai l'impression un peu de tous les survoler, quoi, c'est assez incroyable.
Bon, je le tue pas en un tour, mais pas beaucoup plus, hein, vous allez voir. Non, mais là, c'est bon, avec la contre-attaque, il va plus avoir de vie, si. Ah, si, il en a encore, d'accord, allez. Oui, bim. Quoi? J'ai explosé le coffre? Mais, c'était pas tout à fait prévu, je l'avoue, j'aurais préféré qu'il s'ouvre, mais je l'ai explosé. Le pauvre. Ah, quelle est l'astuce, là? D'accord, ok. Sauf que je sais pas où il est, le petit Wiggler. Eh, mais là, on y était allé. Sauf qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Non. D'accord. J'aurais dû essayer de le cramer directement pour avoir l'initiative. Ah, là, en plus, il y a du people. Non, non, j'ai pas essayé de les aspirer. J'ai mes vies au max, alors j'ai pas essayé de leur voler des vies, quoi. Ah, ça les tue toujours pas d'un coup, hein. En même temps, bon, j'ai augmenté de niveau, mais faut pas non plus abuser, hein. Ok, je les connais par cœur, maintenant c'est incroyable, ils arrivent plus jamais à me toucher, tant mieux hein. Ok. Non, non, non. Ah mince, je l'avais fait trop tôt, j'ai voulu arrêter le refaire et en fait non, mince. Ouh, de toute façon je regagne les vies que je viens de perdre alors. Enfin j'en avais peut-être perdu un petit peu plus, hein, effectivement, je sais plus. J'ai pas fait gaffe. C'est bon, vous cramez. Ah là, ils sont cramoutes. Et lui il s'ouvre. Oui. Allez, on va redevenir, enfin on va revoler plein de pièces comme si on en avait encore besoin. Les pièces on en a déjà énormément, mais wow, on en a jamais assez, comme je disais, on n'est jamais assez riche. Hein. Il faut toujours plus d'argent. 1180. Qu'est-ce que je vais en faire de tout cet argent, c'est dingue. Alors qu'est-ce que je vais monter maintenant? Yes, Bowser augmente de rang. Il est au rang argent. Super, chaque fois que vous passez un rang supérieur, merci bien. Donc je peux avoir qu'une seule récompense. Plus 1 de PF et corne plus 1 chaque fois que vous gagnez un niveau. Attaque plus 1 chaque fois que vous gagnez un niveau et le poulet vous rend plus de PV. Ah ouais. Si je fais ça, j'aurais peut-être plus à m'occuper des PF et des cornes. Mais l'attaque c'est pas mal aussi, hein. On va faire l'attaque. Je pense que j'ai envie que Bowser, il destroy tout, quoi. J'ai envie que ce soit un gros... Enfin, pas un tank, justement, parce que les tanks, c'est plutôt de la défense et de la vie, mais j'ai vraiment envie que ce soit un destroyer, quoi. Ah ouais, je veux bien de la vitesse. Ah non, je suis que sur 3. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc ouais, mon Bowser, là, à chaque niveau de plus, il va gagner de l'attaque en plus, c'est énorme. Je sais pas ce que vous auriez fait, vous auriez peut-être fait les points cornes et les PF. Les PF, pour l'instant, je n'ai vraiment pas beaucoup besoin, en fait. La seule attaque que j'ai, déjà, je m'en sers pas beaucoup, et en plus, elle coûte vraiment pas cher. Donc pour l'instant, je n'ai vraiment pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Et d'accord. Ok, et les points cornes, je peux les augmenter moi-même. Et je me demande si le truc des points, enfin des, du poulet, ça compte que sur les poulets piquants ou ça compte aussi sur les poulets au fromage, etc. Ça doit compter sur tout, non? Alors, ah mince! Ah non, je sais plus lequel est le premier, c'est lui? Non? Ouais, c'est lui. Ensuite, c'est lui. Puis lui, parce que je me souvenais de comment ça marchait, mais comme je savais plus quel était le premier en fait, dans ma tête j'avais fait un miroir du truc. Alors où est-ce que tu vas, petit oui-oui? Je l'ai toujours. Ah bah je l'ai, ma peluche Wiggler. Je kiffe ce jeu parce que des Wigglers il y en a énormément. Ah viens ici toi. Je l'avais nommé oui-oui en plus à l'époque. Elle est trop mignonne. Je peux la mettre à côté de moi? Va falloir que je fasse attention de pas trop bouger parce que sinon oui-oui il va tomber. J'essaye de le caler, mais il est sacrément en équilibre. Tu peux pas tenir, hein? Non, il peut pas. C'est impossible. Ah si, voilà, il peut tenir, voilà. Très bien. Bon, alors, je me tiens bizarrement. Ça fait un petit peu mal au dos, mais c'est pour la bonne cause. Il est trop mignon. Attendez, je me décale un peu parce que j'étais plus par là, je crois. Non, ah, je sais plus comment j'étais. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ça va, petit. T'énerve pas. J'ai pas envie qu'il se vénère encore. Sinon, on va prendre cher. Je pouvais aller par là avant, non? Non, c'était peut-être fermé aussi. Pourquoi il y a deux passages? Ah bah non, mince, c'est de là que je viens. Oh là là, je suis un bouffon parfois. Hein. Un petit peu quand même. Wiggler, il est en train de tanguer un peu vers l'avant. Ok.
Voilà, j'ai extrêmement mal au dos, je pense que je le referai pas ça. Mais d'ailleurs, je peux vous le dire quand même parce que c'est un petit peu un sp... Oh, c'est pas un sp... NON! Oh, il a failli tomber. Je n'ai aucun moyen de maintenir Wiggler ici et en fait, ouais... Wiggler, c'est l'un aussi de mes persos préférés, effectivement, quand j'avais fait dans un épisode de Paper Mario, je sais pas s'il est déjà sorti là, mais j'ai fait mon top 5 de mes persos préférés des jeux Mario. C'est vrai que j'ai mis Birdo dans le top, mais en fait, je pense que je retire Birdo et que je mets Wiggler à la place. Wiggler est vraiment trop mignon. Mais attendez, mais c'est là qu'on va voir le truc dont je vous parle, non? C'est là ou pas? Hein? Il y a que des champs ici! Qui est-ce qui cultive des champs ici? Oui, c'est ça! Comme ça, j'ai pas besoin de vous le spoiler, ça arrive. Oh! Il est trop mimi! Quoi? Tout le monde sait que le clan des Wiggler cultive des légumes ici depuis des siècles! Oh, petit, trop mimi! J'ai une tête à m'intéresser à tes histoires de légumes, franchement! Mais dis-moi plutôt, t'aurais pas vu un bilbourin dans le coin? Un bilbourin? Il y en a pas ici! Oh, il a même pas de jambes, c'est un bébé. C'est même pas un Wiggler, c'est un Kiggler. Enfin, en anglais, ça s'appelle des Kiggler, je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais d'ailleurs, c'est pas sa première apparition. Il y en avait dans New Super Mario Bros. DS. Il me semble d'ailleurs qu'il y en avait dans un niveau secret, et dans un seul niveau, ou peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en avait très peu. Et c'est exactement pareil qu'un Wiggler, sauf... Oh, il me stresse. Sauf que c'est plus petit, et comme vous le voyez, normalement ils sont plus pâles, là il est pas plus pâle et il a pas encore de pied. Et sa fleur c'est pas encore une fleur, c'est une petite mousse. C'est dommage, on l'a jamais revu, vraiment des Kiggler, on en a jamais revu dans aucun Mario depuis. Mais c'est trop mimi. Mais regarde plutôt ces légumes, ils sont cultivés sans pesticides et ils sont bons pour la santé. Les cuisines du château de Peach n'utilisent que ces légumes, tu devrais goûter. En plus c'est un gentil, il fait des légumes pour le château de Peach. Ils sont pleins de vitamines et de sels minéraux, un super fortifiant. C'est comme ça que tu deviendras un grand Wiggler, idéal pour... Mais tais-toi! Ça me fait surtout une belle jambe! Je mange pas de légumes! T'aurais pas de la viande! Oh, c'est vraiment pas sympa, il va s'énerver, non? Ah, pas étonnant que tu sois aussi gratouillé. Et vlan! Si tu ne manges pas de légumes, tu auras des ennuis! Ce sera la fin des haricots pour toi! C'est le cas de le dire. Je sais pas s'il va se vénérer à un moment, je crois pas. Quoi? Hein? What? Qu'est-ce qui se passe là? Dernière nouvelle. Il y a du neuf à la boutique d'équipement. Promotion spéciale sur l'hémoglobinade. Venez nous rendre visite au forum des Toad. Ah mais je m'en moque de ça moi. Oh, je veux continuer avec Bowser. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Allez, sors de là Kiggler. Ah je peux pas. Et si je brûle son champ? Je m'en voudrais hein, mais je crois que j'ai pas le choix, si. Non, on peut pas brûler son champ. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? On peut pas casser les pierres dans lesquelles il y a Kiggler. Ah mais il a pas dit son nom en français, il s'appelle peut-être aussi Kiggler, hein. Je sais pas. Mais donc on peut rien faire avec lui pour l'instant? Plus tard on pourra faire des trucs, je crois. Ah mais ça va être là, non? Ah ouais, c'est ça. Mais dans ma tête, c'était vraiment à la fin du jeu, genre quand on arrive au château de Peach. Et en fait, non, c'est maintenant. Donc en fait, j'allais vous faire un spoil à 30 secondes près, quoi, mais... Ce légume est énorme! Parfait! Je vais pouvoir l'utiliser à la place du bilbourin! Oula! Allez, c'est reparti avec Mario et Luigi pour faire le mini-jeu. Je vais me concentrer, je vais regarder sur cet écran. C'est quoi cette musique? Elle est bizarre, hein. On dirait qu'il a changé de forme. Les boules qui vont en sortir seront peut-être étranges. Faites attention! Comment ça, étrange? C'est quoi cette histoire? Que se passe-t-il là? Bah pour l'instant, rien. What? C'est quoi cette histoire? Bon, c'est plus facile, mais... D'accord. Ah, c'est un jeu de rythme, en fait, c'est ça? Bon, un jeu de rythme facile, hein. Ouais, c'est un jeu de rythme en mode easy, quoi. Mais parce que ça fait un bruit différent, en plus chaque marteau fait un bruit différent, effectivement. Et en plus, c'est vraiment en accord avec la musique qui passe. Ah, c'est marrant. Allez, Wiggler, fais attention. Ça continue ou... Ça continue, mais là en mode plus rapide. J'espère qu'il n'y a que deux niveaux, hein, parce que moi, les jeux de rythme, vous savez à quel point je suis nul. Ah,
Mais elle est cool la musique. Je lui ai absolument pas en rythme. Heureusement que ça marque pas parfait, bon, ok, mauvais, parce que sinon je pense que j'aurais beaucoup de mauvais. Hein. Encore ? Mais il va pas être content, Killer, parce que c'est à lui, non ? Ça a carrément l'air d'être sa plantation. Sa carotte dont il doit être super fier d'ailleurs. Oui, j'y suis presque ! Allez, en mode super rapide maintenant. Oh mon dieu. Faut faire gaffe ! Bon, je parle pas trop, hein. Pendant les jeux de rythme, je préfère pas trop parler parce que déjà que je suis nul. Alors, si en plus je me mets à parler, je vais être encore plus nul. Et pour l'instant, c'est quand même un sans faute. Je tiens à le préciser, c'est rare. Ça doit être la dernière salve, là, non? Non, encore! Eh, c'est par 4. Non, encore! Mais là, ça fait 5. Bon, c'est pas gênant, hein, c'est cool, mais... ok, c'est bon. Parfait! Vas-y, Bowser, arrache la carotte! Elle est gigantesque, elle est plus grosse que lui. Elle est un petit peu mangée, d'ailleurs. Qui l'a croquée? Ça peut pas être Kigler, quand même. C'est trop gros, non? Oui, et donc, que se passe-t-il là? Je peux pas bouger là. Ok. Elle est peut-être trop grosse pour entrer dans le canon! Et plat! Oh oh. On va se combattre contre un Wiggler, hein, je m'en souvenais plus de ça. La giga carotte que le clan de Wiggler cultive avec tant de soin depuis des générations! La giga carotte qu'on cultive depuis la génération de mon arrière, 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 grand-père. J'ai dit combien de fois? C'est vous qui l'avez déterré? Oui. Et toi? T'aurais pas vu un bilbourin dans le coin? Il s'en moque de ça, il veut que le bilbourin. Vous n'avez pas écouté un mot de ce que j'ai dit? Un bilbourin? Il y en a un. Vraiment? C'est pas grave, donne-lui le bilbourin et la carotte, il suffit de la replanter, hein, il a partir les racines. Un bilbourin est tombé sur ce champ il y a quelques temps. Et je l'ai gardé rien que pour moi. Vous le voulez? Mais pourquoi quelqu'un garderait un bilbourin pour lui? Ouais, à boule! Je veux bien vous le donner, mais votre attitude ne me plaît vraiment pas. Vous devez d'abord assumer vos responsabilités pour avoir arraché la giga carotte. On parlera du bilbourin après. Mes responsabilités? Tout à fait, cette giga carotte a été cultivée par les Wigglers depuis des générations, tu l'as déjà dit, hein. Vous devez prendre vos responsabilités et... Arrête de répéter, la manger! Oula, mais il aime pas, il va être malade, il aime pas les légumes. Quand on récolte des légumes, on se doit de tout manger! C'est la loi du clan des Wigglers depuis la nuit des temps. Il regrette Bowser, le pauvre. Mais comment on peut manger un truc aussi énorme? Bah, elle est aussi grosse que toi, hein. Si vous refusez, je ne vous donnerai pas le bilbourin. Je vais en faire qu'une bouchée. J'ai oublié, il y a un temps limite. Ok. Vous devez la manger entièrement en moins d'une minute. Ou bien, vous pourrez essayer autant de fois qu'il faudra. Pas de problème. Mais laisse-moi goûter avant. Hors de question. Et si jamais ton maudit légume me rend malade, hein, tu entendras parler de moi. Très bien, je vous laisse goûter. Mais juste un peu. Il va pas aimer, c'est ça? Ok, à l'attaque! Il a besoin d'aide. Alors, ah, on va dans une nouvelle zone. On va dans ses fesses, c'est ça? L'estomac. Ah, ok, l'estomac de Bowser réagit. Effectivement, je croyais qu'on allait être dans le système qui fait... bref. Poche, tomate, je sais pas quoi. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le subdigestif. Enfin, vous êtes prêts? Alors que le mangeage commence! J'ai pas besoin d'écran tactile, si j'ai besoin de l'écran tactile. Je dois les éclater, non? Mhm. Alors. Si vous parvenez à réduire tous ces morceaux en petites miettes, Bowser devrait pouvoir en manger une très grande quantité. Touchez vite les morceaux pour les réduire en miettes! Ok, c'est tout simple en fait, faut juste. Tout détruire au plus vite. Je sais pas quelle est la technique. Parce qu'en fait, on les détruit en plusieurs coups, donc... Ouais, ça peut être galère, en fait. Je
sais pas si je devrais m'en occuper d'un avant de passer aux autres, je sais pas trop. Ça risque d'être assez fastidieux de toucher tout ce que Bowser va avaler. Il n'y aurait pas un moyen de les réduire en miettes plus vite? Bah, à toi de me le dire, j'en sais rien moi. Ah, il va nous les apprendre là. Cette carotte contient des enzymes qui permettent d'en digérer des morceaux plus rapidement. Lorsque vous mangez un morceau de carotte contenant une enzyme, votre bouche brille comme ceci. Repérez bien les morceaux que vous avalez quand votre bouche brille. Ces morceaux contiennent des enzymes digestives comme celle-ci. En l'utilisant pendant qu'elle est rouge, tous les morceaux sont digérés d'un coup. Mais si vous brisez trop de morceaux au hasard, son efficacité diminue. Certains morceaux contiennent aussi des petites enzymes comme celle-ci. Ces petites enzymes digèrent partiellement ce que vous avez mangé. J'ai du mal à comprendre. Vous avez entendu ça? Il semblerait que le morceau que Bowser a avalé quand sa bouche a brillé contienne une enzyme. Voyons voir. En ce moment, elle est rouge. Elle peut digérer tous les morceaux d'un coup. Mémorisez bien l'endroit où elle se trouve. Ah d'accord, ok. Donc je dois détruire, elle est là. Allez, brisez le morceau que nous avons repéré tout à l'heure. Je sais, c'est lui. Voilà. Là, voilà. On peut s'en servir pour digérer les morceaux plus vite. Touchez-la. Ah, c'est pratique. Mémorisez les morceaux que Bowser avale quand sa bouche brille. Trouvez vite les enzymes qu'ils contiennent pour les utiliser. Allez. Mais attendez, mais comment je peux savoir, moi? C'était là, non? Non, là? Mais comment je peux... C'est chaud. Comment je fais pour savoir? Ça va être dans le dernier truc que je vais faire. D'accord, elle est là. Ouais, bah c'était nul, hein. Oh mon dieu, c'était trop pourri. J'ai eu du mal à repérer quand ça bouge. Mais attendez, mais c'est chaud de repérer. C'est là, non? Ou là? J'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. D'accord. Bon, c'est vraiment fastidieux. Ah, il y en a une autre? Tiens! Ce doit être une des petites enzymes dont parlait Wiggler. Touchez-la. Ok. Assez inefficace, quand même. Bon, on peut commencer, on a compris le tuto, là. Bien, la dégustation est maintenant terminée. Je trouve que vous en avez mangé un peu trop. Tricheur. Et c'est parti. Bien. Bien. Ah oui, j'étais au tactile, ça marchait pas. Organisé par le clan Wiggler, sponsorisé par le clan Wiggler, présenté par le clan Wiggler. Bon pour la nature, le corps et l'esprit, voici le mangeage de la giga carotte. Aucune carotte me fait peur, à la bouffe. Oui? Pourquoi ils sont apparus là-bas? Ils étaient pourtant bien placés au départ. Allez, c'est parti pour le mangeage de la grosse carotte. Enfin, vous êtes prêts? Alors, que le mangeage commence. Ah, il a mangé une grosse enzyme, là. C'était dans les derniers. Non, mais je les trouve jamais. Quoi, mais... Ah, d'accord, ok, non, mais... Je sous-estime à chaque fois, enfin, je me repère super mal, en fait. J'ai trop de mal à voir laquelle c'est, parce qu'il n'y a aucun feedback. Enfin, si, le feedback, il est sur l'écran du haut, mais... Ok, ça doit être là, non? Allez. Non, alors c'est là. Ou là. Ah, je sais pas. Ah, c'est là, mince. Je mets trop de temps. J'y arriverai pas. En plus, après, j'habite tout à côté. Allez, trop dommage. J'ai plus que 30 secondes pour le reste, ça va être chaud. Hein. Je donne pas cher de ma peau, là. Je dirais que c'est par là. Voilà. Ah, très bien, pour une fois que je l'ai. Ok, parfait. Enfin, j'ai mis 10 secondes, hein. C'est pas énorme. Hein. Surtout qu'il en reste pas mal, là, de la carotte. Hein. C'est là, non? Ok, génial. Je m'en sors un petit peu mieux. Je dirais pas que c'est la joie, mais quand même. Et il me reste 2 phases, hein. Je pense que je vais perdre. C'est dans les derniers. Mince. Ah, c'était le dernier même.
Ah, je m'attendais pas que ce soit le dernier. Ok, j'ai 11 secondes pour la dernière partie, non? C'était dès le début. Allez, dépêche! Oui, parfait! Mon dieu, ça m'a sauvé la vie, cette dernière. J'ai réussi en un temps record de genre 2 secondes pour la phase. C'est énormément peu. Je m'y attendais pas du tout. Alors, ce serait bien qu'on ait un Wiggler comme partenaire dans un Paper Mario. Oui, pourquoi il parle jamais? Oui, nous avons un nouveau record! Il a réussi à tout manger en seulement 50 secondes! Bravo! Applaudissez bien fort notre vainqueur, Bowser! Ça mérite des pouces bleus. Enfin, il n'y a personne dans le coin, mais bon. Mais si, il y a plein de gens dans le coin. Bon, j'ai pris mes responsabilités. À boule, le bilbourin! Allons, calmez-vous, pas de précipitation. Si vous alliez vous reposer et sauvegarder. Voulez-vous aller sauvegarder? File-moi le bilbourin! C'est bon, tu vas me le donner, ce bilbourin, ou quoi? Comment? De quoi parlez-vous? J'ai oublié. Tu te moques de moi? C'est parce qu'on avait convenu! Oula! Il a pas perdu sa fleur, tiens. Je n'aime pas du tout votre attitude depuis tout à l'heure. Vous arrachez la giga-carotte, vous mangez la giga-carotte, vous allez devoir subir mon terrible courroux. Mais c'est toi qui as demandé qu'on la mange. Mais c'est toi qui m'as demandé de la manger. Sur l'honneur du clan des Wigglers, je vais vous chasser de ces champs sur le champ. Et c'est donc pour voir. Allez, c'est bon, c'est parti. Alors Wiggler, tu vas pas regarder ça parce que là on va quand même éclater ton frère ou ton cousin, je ne sais quoi, ou ton parent. Donc vaut mieux pas, c'est trop violent pour toi. Je vais essayer alors avec les Goombas, tiens. On le fait pas souvent, donc c'est parti. Et en plus il me faisait mal au dos. Allez, tombez pas dans le trou de la carotte, hein, les Goombas, hein. Ce serait bête. En un coup stylé, j'en ai deux, c'est cool ça. Voilà, j'ai tout eu. La première fois, je m'étais un peu ramassé, mais finalement, c'est pas... Quoi? D'accord, c'est un peu nul. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas gentil, en plus, ça fait beaucoup de dégâts. Non mais, comment on fait pour le calmer? Ah non, faut pas attaquer la tête, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je dois faire avec ce truc-là? Oula, je suis en train de me faire défoncer par un Wiggler, c'est dingue. Ok, essayons d'aspirer le truc qui est en haut. Et c'est quoi ces mascasses avec une espèce de tige? Ah, c'est comme ça qu'on le calme. Et donc là, on va pouvoir l'attaquer, non? Ah non, j'ai pas compris. C'est quoi? Ce sont des pitomascas. Pourquoi ou phytomascas? Pourquoi phyto? Ça doit avoir une racine grecque ou latine, mais je la connais pas là, je comprends pas ce que c'est. Oh, mais ils ont beaucoup de vie en plus. Ah bon, par contre ils attaquent pas, donc tant mieux. Oh, toujours pas mort. Alors, en même temps Mario et Luigi, ils ont pas énormément de... Ah c'est bon, il y en a un qui est mort. Et ils ont pas énormément de niveau, hein. Par rapport à Bowser, Bowser est déjà niveau 8. Mario et Luigi, ils sont quoi? Ils sont niveau 3? 4? Bon, sûrement pas plus que ça. Là, je vais l'avoir à la contre-attaque, non? Si j'arrive à faire la contre-attaque. Mais bon, elle est pas difficile à faire avec eux. Ah non, même pas. Enfin bon, là, il va y avoir les derniers sauts, je pense. C'est bon. Et pourquoi critique? Ces mascasses volants sont... ça leur fait beaucoup de dégâts de faire des attaques de saut, d'accord? Je fais bien d'attaquer sa tête ou pas? Je pense que oui. Je sais pas, on verra ça. De toute façon, il faut essayer, hein. Il faut expérimenter. Et ça me paraît plus logique d'attaquer la tête à partir du moment où justement il est plus énervé. Parce que là, il va prendre des dégâts. Ouais, bon, pas beaucoup, hein, quand même. Combien? 60? Mais à quoi ça veut faire le X? À chaque fois j'oublie. J'oublie vraiment à chaque fois, c'est nul. Mais j'ai plus que 6 points. Faudra peut-être que je reprenne. De toute façon, quand il serait énervé, je pourrais me permettre de reprendre puisque je peux pas l'attaquer. Oui! Excellent! C'est même plus qu'excellent, en plus c'est parfait! Allez, Bowser, on appuie sur X dès que je peux. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça fait. Ah, bien! Quoi?
Pourquoi j'ai pas eu Ah, je peux attaquer une partie directement. Ouais, mais non. Je vais d'abord reprendre des PF. 35 PF, c'est bien. Comme ça, après, j'attaquerai la boule de derrière. Ah non, mais ils font revenir des navets, là. Non, c'est pas cool. Enfin, il fait... Bon, ça va, ça va. Est-ce que ça vaut le coup que je le prenne? Non, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre parce que si je le fais, je risque d'inverser la couleur de toutes ces boules. Et comme il y en a qui sont jaunes, je préfère pas. Mais attends, ils vont m'attaquer là-haut, non? Ah ouais, j'aurais peut-être dû... Oh, 12 points de dégâts, c'est pas énorme. Hein. C'est bon, on va pas exagérer. Allez, Wiggler. Elle est vraiment cool comme attaque. Mais donc après, on va avoir une attaque avec les Koopas, une attaque avec les Bobombes, une attaque avec les Mascasses. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Bah, il y a l'attaque avec le Block Dog, là. Et ça fait que 5 en tout, donc je sais pas s'il y en aura d'autres. C'est bon, Wiggler, tu regrettes, là? Je pense toujours pas. Hein. D'ailleurs, faudrait qu'il devienne Furax avant. Et il y est toujours pas. Il est quel niveau, d'ailleurs? J'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment pitié pour les pauvres Goombas qui se font brûler. Ils ont rien demandé. Bah si, si, ils veulent aider leur maître Bowser, donc pourquoi pas. C'est bon, il est en mode Furax. Enfin, je pense. Enfin, je pense que c'est ça. Non, non, non. Oh, ça fait trop de dégâts, c'est ouf. Poulet au fromage, non. Poulet... épicé. 150 PV? Non, je vais regagner 80, ça suffit. Surtout que normalement, j'en gagne un peu plus avec mon objet. J'en gagne 100. Bon, d'accord. C'est parfait. Ah, mais il fait toujours cette attaque! Pourquoi il fait pas revenir son gros navet, là? Non, j'ai été trop rapide. Ouh là là, c'est chaud! Ben, je peux rien faire de spécial, hein. Et là, j'attaque tout, non? Donc je peux le faire redevenir normal ou pas? Non, parce que ça attaque sa tête. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Exactement. Ouh. Mince. Je me fais un peu défoncer, hein. Je faisais le malin, mais là je le fais un petit peu moins quand même. Ok, parfait. Quoi? Non, ça a pas eu le dernier? Pourquoi? La dernière fois, ça avait tout eu... Bon, je vais devoir l'attaquer à la main. Ah, je pourrais utiliser les boules de feu. Je vais essayer avec Mario les boules de feu, là. Vas-y, Mario. Ah bah non, j'ai pas assez. Mince. Mais avec Mario et Luigi, j'ai jamais récupéré de PV et jamais récupéré de PF. Faudrait quand même. Il serait bien temps. Mmh. C'est bon, ah, il n'y en a plus qu'un. J'espère qu'on va quand même gagner beaucoup d'XP avec ceux qui sont en bas. Hein. Enfin, Mario et Luigi. Ok. Surtout qu'en plus, gagner de l'XP, ça redonne toutes les vies, non? Je suis pas tout à fait sûr, dans Paper Mario, c'est le cas, mais là, je sais pas. Ah, je vais prendre le risque de... Non, peut-être... Ouais, si. Ah, ça nous indique ce qu'il y a, en fait. Ouais, la forme de la pousse nous indique ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, si jamais je mange le truc, ça va inverser les couleurs ou pas? Je sais pas comment ça fonctionne. Non, d'accord, ça inverse pas les couleurs, très bien. Mais là, Mario et Luigi doivent se retaper les deux bonhommes. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Il fait vraiment beaucoup de dégâts, Mario, c'est bien, hein. Par rapport à Luigi qui fait rien du tout. Luigi, va falloir que je commence quand même à lui donner des boosts de d'attaque. Parce que là, il est quand même sacrément derrière. Je veux toujours que Mario soit le spécialiste de l'attaque. Mais ce serait bien quand même que Luigi soit pas autant en retrait. Parce que sinon, c'est quand même... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ça sert à rien qu'il attaque. Donc la prochaine fois, j'augmenterai son attaque.
Allez. Parfait. Bon, maintenant, Bowser, tu le finis, le petit Wiggler, ou pas? Il serait temps. Allez, c'est parti. C'est vraiment l'une des attaques frères les plus simples que j'ai vues de ma vie. Wow, en plus coup de chance. J'ai jamais de coup de chance et là j'en ai fait plein en un coup. Comment ça se fait? Bah tant mieux. Il est pas mort? Non, peut-être au prochain tour. De toute façon je sais pas si on le tue vraiment lui. Ça se trouve on le tue pas, hein, c'est juste on le calme. Parce que c'est pas foncièrement un méchant, hein. C'est juste qu'on l'a énervé. En même temps Bowser il est sacrément mal aimable. Hein. Donc je comprenne qu'il irrite un peu les gens. Mais je fais plein de coups de chance maintenant, je comprends pas. Pourquoi c'est passé au rouge le truc? Ah c'est parce qu'il était mort. Comme il pouvait plus attaquer le Wiggler, ça a attaqué le truc derrière. Parfait. Bague chance, qui augmente les coups de taux chance. Enfin les taux de coups chanceux. Si c'est ça, c'est quand même pas mal. Donc, Mario. Ok, on augmente de rang. Frère musclé, attaque plus 1 et PV plus 1 à chaque fois que vous gagnez un niveau. Ou PF plus 1 et moustache plus 1. Je vais faire attaque et PV. Non, PF et moustache puisque je ne les fais pas monter à Mario. Donc je vais plutôt faire ça. Et Luigi, je lui ferai l'autre. Comme ça, ça fera des stats dont j'aurai pas vraiment besoin de m'occuper. Ah, 3, mince. Luigi aussi l'a augmenté? Oui, génial! Donc c'était attaque et quoi? Attaque et PV. Ouais bah allez, c'est parti. Mais je lui augmente aussi en plus son attaque parce qu'il en a un peu besoin. Quoique... Ouais. Ouais, il faut. Et la prochaine fois, je vous montrerai quand même les PF, parce que 14, ça fait un peu pitié quand même. Je suis désolé, Luigi. Hein. Il a vraiment des stats qui sont minables. Aïe, aïe, aïe! Il faut arrêter les dégâts ou mes champs seront ravagés! Il est un peu lunatique quand même. Hein. Ah bah ça va, il retourne dans son trou. Prenez ça et disparaissez au plus vite! Merci! Et qu'il avait vraiment un vilbourg, hein. Il nous a menti alors après. Je vais pouvoir utiliser le canon. Ouais, d'accord. Très bien. Où est la sauvegarde? Ah bah elle est juste là. Mais écoutez les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser qui est un petit peu longue, mais c'était intéressant, non? N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut.